thank you Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et aujourd'hui je suis accompagné de Pauline. Mais... Bonjour! <laughs> c'est une session avec Pauline. Oh, euh, ça faisait tellement longtemps qu'on pas ensemble. Ça faisait hyper longtemps, ouais, c'est clair. Ouais. Et, euh, et pourtant, on se parle souvent, hein, rassurez-vous, on se parle régulièrement oui. pour euh, vous raconter plein de nouvelles choses. Donc bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Euh, bienvenue sur euh, biancenet slash live/slash fr. Et bienvenue aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube Adobe France. Pour ceux qui seraient encore du côté Beyond et qui seraient très tristes d'être uniquement du côté euh, pardon, pour ceux qui seraient encore du côté YouTube et qui seraient très tristes de ne pas être avec nous de l'autre côté, je vais vous coller le lien dans le chat, comme ça vous pourrez très tranquillement nous y rejoindre et échanger avec nous, et surtout nous donner l'occasion en fait de découvrir et de partager vos portfolios, parce que ça fait partie des petites choses qu'on aime beaucoup, pouvoir échanger avec les artistes. Hop et si je lance deux fois du son, vous allez avoir des échos, mais tellement étranges. Très, très, très étranges. Bonjour, euh, du coup, dans le chat. Tiens, c'est toi qui fais les bonjours dans le chat. Oui, alors, bah, du coup, bonjour Thierry, bonjour Fifi Lamor, bonjour ah, Cool Il y en a des plus compliqués que d'autres à prononcer. Ouais. Euh, bah, bonjour Laurence, Alexandre, euh, Laurent, Arnaud. Et puis bah bonjour à tous ceux qui se sont pas encore manifestés à l'écrit, mais n'hésitez pas à poser vos questions. <coughs> Tout à voilà. fait. On est là pour poser plein de questions, mais les premières questions qu'on va se qu'on va se poser, on va te les poser parce que aujourd'hui tu voulais parler de vidéo. Mais de quoi tu veux parler oh là. précisément <laughs> Ça fait un peu peur d'être à la place de <laughs> C'est ça, mais c'est pas grave. En vrai, euh, tous nos invités sont repartis heureux jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison qu'on commence à te, euh, te malmener. Et bah, du coup, j'ai profité de t'avoir sous la main et d'avoir la possibilité de faire des lives. Euh, bah, comme vous savez, moi je suis photographe, je fais des Qu'est-ce que je fais des Qu Tu fais des photos où tu mélanges voilà. des gens de la Terre, de la pâte à pain, des pixels, euh, et que tu fais plein de, plein de déformations dessus. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, des photos plutôt retouchées, avec euh, un univers un peu dark et tout. Et ça fait très longtemps, mais quand je vous dis longtemps, je parle en années, vraiment, que j'aimerais bien en faire des vidéos, que cet univers il soit retranscrit euh, en vidéo. Et du coup, là, j'ai eu l'occasion de créer un clip. En mm -hmm. fait, les clips, c'est un exercice qui est un peu marrant parce qu'il n'y a, de... a pas de pression d'histoire. Ça peut être juste un délire expérimental. Voilà, a... c'est pas obligé d'avoir un début, une fin, un truc. Mm -hmm. Donc j'ai profité de ça pour faire un clip. Donc on a tourné il y a deux semaines. Et là, j'arrive avec mes rushs et mes questions existentielles pour Franck. <coughs> ok donc, et du coup euh, donc... bah, je voulais vous partager un petit peu ça en fait le process de création euh, comment on s'en sort euh... d'accord alors des trucs voilà puisque il faut jamais réaliser des choses comme ça euh, chez vous si vous n'êtes pas cascadeur expérimenté tout ça je tiens à mettre en disclaimer en rappel au départ que pauline m'a envoyé sa liste de questions et j'ai regardé les trucs j'ai fait mm -hmm, on va faire ça en live ça va être trop bien euh, je promets pas 100% de réussite on va essayer. On va pouvoir parler de vidéos, évidemment. On va parler de formats. On va parler de vitesse. Euh, on va essayer de faire tout ça en direct avec vous. Euh, du coup, si vous avez des questions en parallèle, n'hésitez pas. Est-ce que ça vaut pas le coup là maintenant que je partage ton écran et que tu, et me... tu nous racontes un petit peu plus le tournage, les avant, les après, les autour Oui, carrément. Je vais vous parler un petit peu du process. Alors du si coup... On est sur fond noir. Euh... Est voilà. Toi. Donc là, c'est un bout de Rush. Je vais vous montrer juste un petit peu vite fait ce qu'on a tourné. T'as enlevé, enlevé le moment fond. où le monsieur il est tout nu <laughs> Normalement, c'est bon. Donc ça, c'est le Rush. En fait, on était... Euh... Alors attends, je vais couper le son. C'est bizarre. En plus, c'est marrant ce ralenti. Oui, Hop, puis toi, tu dois avoir le son et nous, pas forcément, je pense. Euh... Voilà. Alors, du coup, l'idée de cette session aussi, c'est de vous montrer euh, bah, qu'on peut expérimenter, tester des trucs sans forcément savoir euh, après avoir les réponses techniques. Donc, euh, quand on arrive à bidouiller quelque chose, l'important, c'est d'avoir des idées. Vous savez, c'est un petit peu ça, euh, moi, ce qui me plaît dans cette démarche. Et donc, bah, pour ce clip, en fait, euh, Maxime m'a envoyé euh, sa musique que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'était il y a quelques mois déjà. Et je lui ai dit euh, « Allez, viens » on fait un clip, et en fait quand c'est comme ça, bah, il y a le processus de recherche, donc ça c'est comme les photos en fait, je vais faire plein de, plein de croquis, je vais me laisser un mmh. peu porter par la musique et tout et là on avait l'idée euh... <laughs> on a eu plein d'idées, et on s'est dit, bon, on va tout tenter, on va bidouiller des trucs et si ça marche pas c'est pas grave, en fait on va pas forcément tout garder, en fait on a tourné beaucoup plus que ça, là je vous montre juste un rush mais en fait, il y a pas mal de choses quand même. Mmh -hmm. On, on s'est amusé avec la lumière, on s'est amusé plein de trucs. Toi, alors pour la petite question dans le chat, est-ce que vous ouais. avez déjà vu des sessions avec euh, Pauline Est-ce que vous avez déjà vu une partie de son travail Parce que c'est vrai que quand on regarde comme <laughs> ça, le, <rire> la, la <rire> boue, tout plus ça, ça euh, les, les plus habitués nous diront ah, mais on, on pourrait penser au travail de Pauline, euh, Cross, euh, Raphaël blusé Cross, tout ça. Euh, pour le coup. Toi, tu aimes bien tartiner les gens de matière. Eh ben, bah, écoute, je sais pas, je me suis jamais rendu compte que c'était une passion dans ma, dans ma vie. Passion mais pas, tartine. Cool. <laughs> bah, en fait, je trouve ça intéressant. Autant tu peux faire beaucoup de choses dans Photoshop, tu vois. Mmh. Autant c'est plus facile de partir quand il y a déjà une matière qui existe et euh, tu vas alors retravailler sur l'image. Enfin, là, c'est le rush euh, sorti de la caméra. Ça va être hyper plaisant en fait. Il se passe déjà beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de trucs. Enfin, tu vois, ça. ça... Je trouve que ça dégage déjà pas mal d'histoires. De, de, Alors que si tu essayes de faire ça en poste, c'est un peu compliqué, tu vois, quand tu as des idées comme ça de transformer des gens en monstres. Alors, euh, Maxime, il est dans le chat normalement. J'ai vu que non. Maxime était dans le chat de YouTube. Voilà, du côté YouTube. Est-ce est ouais. que tu te reconnais sur ces images, Maxime Est-ce que c'est <laughs> pas trop grave. Et en fait, on a utilisé du coup de l'argile mm -hmm. et du charbon. Et en fait, euh, c'est deux choses qui sont très bonnes pour la peau. Voilà. Donc euh, il est reparti euh, tout doux chez lui. Prenez. Très bien, voilà. parfait. Et a... c'est aussi inspiré bah, pas mal du travail de Olivier de Sagazan qui se recouvre comme ça. Après, on, a... on avait aussi envie de se l'approprier, mais voilà, je pense que en vidéo, c'était marrant à faire bouger. Donc ça, c'est vraiment le fichier brut. D'accord. Voilà. Alors, euh, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des trucs. Ah, moi je vous propose de vous montrer le making of. Ça, c'est pas bête. Peut... Vas-y, vas-y. Ouais, pour vous montrer un petit peu. Euh, donc, ça, c'est notre rush. On a, on a tourné plein d'autres choses. On est allé sur la plage, on a fait des trucs euh, un peu différents aussi. Mm -hmm. Alors, où est-ce que tu es Making of. Euh, en fait, le making off, bah, comme vous savez sûrement pas, moi j'ai pas, j'ai plus de studio fixe maintenant. Donc en mmh. fait, euh, je vis. Euh, es, dans es, un Airbnb. Tout est la moment. fameuse digital nomade. Voilà, c'est ça. Donc comme je suis nomade, j'ai un petit peu de matériel. J'ai quelques trépieds, j'ai un petit peu de lumière et tout, mais je ne peux pas me permettre d'avoir euh, un fond comme avant. J'avais enfin, vraiment, j'ai dû euh, être beaucoup plus minimaliste sur mon approche euh, des tournages. Donc mmh. en fait, là par exemple, c'est le fond qu'on a installé. On a tout simplement poussé les meubles de la chambre. Et en fait, j'ai mis le matelas debout. Et après, il suffit juste de tirer un drap noir dessus. Et je trouve que le truc du matelas debout, c'est que ça. Contrairement à scotcher les trucs sur les murs, déjà, le scotch, c'est pas évident. Euh, ça, ça peut laisser des traces, et fou, même du gaffeur et tout. Et c'est pas évident de ne pas avoir de pli, en fait. Alors que quand vous mettez juste le matelas sur le mur, hop, allez, c'est bon. Voilà, vous avez un support de fond. Paille matelas, certes, mais euh, bon, c'est pas mal. Euh, après c'est pareil, du coup on a tout filmé, j'ai euh, un, une petite LED comme ça qui est hyper chouette, qui est hyper puissante. C'était Julien Lassota qui utilise ça aussi, qui en avait parlé. Mm -hmm. Et c'est pareil en fait, euh, ce qui se passe c'est que du coup la lumière part un peu dans tous les sens. Quand vous avez juste une LED comme ça, donc en fait on est juste allé chercher dans la poubelle, chercher un... <coughs> la, <coughs> la, boîte de, la boîte de brioche. Hein, voilà. <laughs> de, de, de la boîte de biscotte euh, pour, euh, pour diriger le faisceau de lumière comme ça. Et donc le, le vrai truc, c'est que tu démarres ça en ayant, euh, en ayant déjà au maximum de, du rendu que tu vas vouloir en termes de matière, de reflets, etc, directement ouais. à la prise de vue. Oui c'est ça. Mmh. C'est ça et euh, tout en étant un peu magur. Alors on était quand même j'ai l'impression d'avoir pris du grade. Là vous voyez il y a le, le tas d'argile qu'on avait préparé. Mmh. On avait mis des bâches en dessous là pour pas tuer le sol le petit matelas, et euh, maintenant, c'est trop bien, en fait, il y a le retour sur l'iPad. Ouais. Donc ça, c'est hyper cool, ça, ça permet d'avoir tout de suite un rendu de... en termes de lumière, de trucs, c'est... j'ai l'impression d'avoir pris du grade incroyable depuis qu'il y a un retour sur l'iPad. Oui, voilà. c'est ça, tu, tu, tu sais au moins ce qui va se passer sur ton, sur ton image. Ouais, carrément, et en fait, c'était très proche de mon truc photo, parce qu'en fait, j'ai juste laissé l'appareil sur le trépied, mmh. et après, ça me permettait de bouger, de... En fait, voilà, ça c'est fixe. De toute façon, c'est un plan fixe, ça bouge pas. Et, euh... Et après, voilà, moi ça me permettait de bouger avec la lumière, de gérer, de regarder l'iPad, donc de vraiment pouvoir se concentrer sur ce qui se passe sur l'image, quoi. D'accord. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. <laughs> Ouais, ouais. Alors si vous n'avez pas de questions, euh, moi je vais avancer sur tes premières questions parce qu'elles me, me semblent assez importantes. Euh, la première chose, c'est à quelle vitesse tu as filmé ton... tes plans Voilà, alors ça c'est la grande question existentielle que j'ai pour toi. Moi j'ai tout filmé en 120 images secondes. Mmh. Dans l'idée, bah, comme je vous ai montré sur l'aperçu, de faire... Ça va être un truc très ralenti, la musique elle est assez calme, elle est assez... Euh douce, étrangement, elle est assez douce et hyper dark. Mmh. Et donc, euh, parce que en vitesse normale, c'est un peu bizarre. Hein. Que... Ça. Alors que là, ça plonge dans une espèce d'ambiance. Et donc, du coup, bah, ma première question existentielle, c'est comment ça marche Comment on l'ouvre dans Première Comment on gère un fichier sans vent D'accord. Le premier truc, c'est que déjà, ton fichier, ça va dépendre du format de fichier que tu récupères. Là, tu m'as dit que tu avais deux fichiers. Tu avais un fichier que avais... qui était brut de Brut de voilà. capteur, brut de caméra, ouais. et un fichier qui avait été traduit et que tu avais exporté format MP4, si je dis pas de voilà. bêtises. En fait, moi, j'ai le gros fichier, mais je me suis dit, si mon ordinateur est en train de mourir, mm -hmm. je vais te euh, l'envoyer pour euh, qu'on puisse faire quelque chose. Donc, mon fichier euh, original, euh, il fait 22 Go. Il fait 22 gigas, gigas. très bien. Alors, celui-là, on va pouvoir travailler avec, parce que tu vois, alors tiens, si euh, tu gardes l'aperçu ouvert, enfin l'info ouvert. Et fait il fait 20 Go et il est sur un disque SSD, il n'est pas sur mon ordinateur. Oui, mais ce qui n'est pas gênant, parce que le ouais. SSD, si tu as la bonne connexion entre les deux, ça voilà, peut suffire pour, ça. Pour, être, pour être clean au niveau du, du rendu. Ce qui nous intéresse là-dedans, en fait, et c'est pour ça que je te faisais t'y arrêter, c'est qu'on a toujours, quand on récupère des fichiers, en fait, des informations dans le fichier. On a les informations sur le, la, les dimensions. Sur le profil de couleur, sur la durée. Ce qu'on ne voit pas sur ce fichier-là, par contre, c'est qu'on n'a pas la vitesse. Et c'est là qu'on va pouvoir l'importer donc dans Premiere Pro. Donc je te propose de tenter une importation dans Premiere Pro. Et je dis bien tenter parce que tu, tu m'as dit que tu avais trop peur. <laughs> tu as réussi une fois ou pas J'ai trop peur. Euh, oui, mais alors du coup, c'est pour ça, il se lisait en vitesse normale. Mmh. Ça. On, on va voir un petit peu comment on règle la vitesse. Et eh bah ben, écoute il est là, comment je fais je, je juste j'ouvre, je jette euh... Alors tu peux lui demander directement, tu fais un clic droit dessus si tu veux. Ok. Clic droit dessus. Ah attends. Tu peux y arriver. Il veut pas cliquer droit, tu vois il. veut, il... Il veut pas cliquer il droit dessus. Que... Contrôle clic, si tu es sur Mac. Oui t'es sur Mac. Ouais ouais, non, non. Mais après il n'est pas importé encore, il faut juste le mettre. Importation en cours. Voilà. Et ce truc-là, en fait, tu peux le glisser dans ton projet. Tu peux le glisser depuis en haut, dans projet sans titre, par exemple, ou tu peux le faire déplacer tranquillement dans ton, dans ton projet à toi. Ça, c'est pas gênant. Tu le okay. poses et il va venir s'importer. La raison pour laquelle euh, tu as ce bon réflexe, bravo Pauline, de traverser via l'explorateur de médias, euh, c'est que sur certaines caméras... Le fait de passer par l'explorateur de médias va t'assurer que le son et l'image vont partir ensemble. Ça, c'est tout bête, mais c'est hyper important, parce que si, si t'as pas ça, tu te risques de te retrouver un peu, un peu perdu. Tu risques de te okay. retrouver avec des fichiers désynchronisés, et c'est un peu, sur un clip en tout cas, un des pires trucs qui puisse arriver. Oui. L'autre point qui va nous intéresser là-dedans, c'est que maintenant que tu viens de récupérer ton fichier, t'as un énorme fichier. Qui est plein d'éléments plein qui ont été tournés en une fois. Et ce qui serait malin, c'est de faire des marqueurs dedans. C'est-à-dire que tu te dises, tiens, à tel endroit j'ai tel rush, à tel autre endroit j'ai tel élément, pour être sûr que. Parce que là, tu as 30 minutes de fichier, ouais. à 120 images par seconde, donc c'est quand même 4 fois le, le la durée nécessaire. Ouais. Et en réalité, tu vas récupérer des morceaux dedans. Donc ouais. là-dedans, tu peux commencer dans ton moniteur source à caler. Par exemple, tu te promènes et tu fais des petits coups de marqueur M. Si je dis pas de bêtises, alors par exemple, là je dis euh, Ah, j'aime bien là, il est bizarre. Voilà. Sur M. Voilà. Ah, trop bien. Et là, tu as un petit bout de marqueur. Ça, tu peux le faire directement dans le fichier. Mais sinon, si tu veux moins de galérer et que tu veux anticiper ton montage, quelques vitesses ou pas, alors annule, fais un contrôle Z ou un pomme Z pour annuler ton, ton marqueur. Tu vas pouvoir glisser donc ton Fichier depuis le panneau projet jusqu'au panneau ah, de montage là. en bas à droite, en bas de bas de à gauche projet. à bas à droite. Ouais. Okay. Est-ce que la piste son elle est importante à ce moment là pour toi euh, Non, parce que de toute façon on va mettre la musique après. Alors regarde, on, on va, on va, on va Moi, gagner du parle, temps. Le... Fais un contrôle on ouais. fait un pomme Z encore, Check. Euh, et encore un pomme Z comme ça il crée pas le plan. Tu vas partir de ton panneau source. Et en dessous de la vidéo de ton panneau source, en plein milieu, tu as deux icônes. Une icône avec une petite onde audio et une icône avec une petite onde de pellicule, avec une petite icône de pellicule, juste un tout petit peu euh, plus haut, euh... deux centimètres plus haut. Ah, ouais. non, okay. Et tu vas prendre que l'icône de la vidéo. Ah d'accord. Donc faut juste attraper ça et le jeter là. Exactement. Et là du coup, première, il sait que ce qui t'intéresse dans ce plan, c'est uniquement la partie vidéo. Il ne s'occupe plus okay. du tout de la partie audio. Il l'a lâché ou pas du coup, j'ai pas vu. Là, il est ouais, il trop bien. C'est bon. Et tu vois, là, as plus le... déjà, tu plus l'audio, donc t'es tranquille. Après, ça peut servir pour un repérage, et se dire, ouais, ça vaut le coup quand même d'aller euh, gratter la piste audio, parce que tu sais qu'à un moment, tu as fait des claps euh, dans les mains, tu as fait silence, etc. Donc, peut-être pour le repérage, ça aurait été plus malin. Mais en tout cas, pour l'instant, tu as, as le début. Euh, Je te laisse commencer à faire un premier dérush. Donc. Vite fait, hein. on n'est pas, on oui, est pas oui, à l'image prête pour aujourd'hui, parce que l'idée, ça va être de se, de se donner des clés pour pouvoir avancer. Alors le derush, est-ce que tu le fais directement sur ce bout-là mmh. Moi, je le faisais sur ce bout-là. Ben, si tu fais tant... Alors, comme je te disais, moi, sur le, la partie source, ouais. en fait, ce que je t'ai proposé au début, c'est pourquoi pas faire des petits, euh, des petits marqueurs. Mais le truc, c'est au final, quand tu vas vouloir faire un derush rapidement, il faut que tu puisses te balader et il faut que tu puisses couper et là haut okay. dans ton panneau source en fait tu vas juste lui dire où tu commences. Donc okay. là tu vas pouvoir dire par exemple euh, tel plan jusque ici ça m'intéresse pas et tu peux couper. Et quand tu coupes, tu as deux manières de couper dans première, le commande ou contrôle K qui permet de faire un cut. Ça c'est facile. Ah attends, hein. regarde, déjà j'ai une question existentielle. Ah non, ouais. c'est bon, il y allait tout au bout. <laughs> OK, pardon. Finalement plus de plus de questions existentielles. Oui. <rire> <rire> Alors attends, du coup contrôle K. Ouais. Et là, ça coupe. OK. Voilà. Ça, ça coupe. Tu peux effacer le, le bout d'avant si tu as envie. Si tu sais pertinemment que le bout d'avant ne t'intéresse pas, tu peux tout à fait te dire que tu vas utiliser la touche Q. Et Q, en fait, il va raccourcir ah, trop bien. ton média jusque-là. Et le truc, c'est que quand tu as des plans qui sont posés en vrac, avec déjà des morceaux, etc., tu peux alterner Q et W. W te coupe jusqu'à la fin du plan. Alors là, tu, Alors, fais, tu te déplaces. Si, si tu fais W, tu as perdu tout le reste de ton plan. Enfin, tu ne l'as pas vraiment perdu, il a été raccourci. Ouais. Mais euh, tu vas pouvoir commencer à mettre toi tes marques, et après tu pourras raccourcir. Parce qu'on est plutôt dans un temps court sur la, sur la vidéo, sur la narration, c'est assez rythmé, etc. Donc on va avoir tendance à découper ça. Là, pour l'instant, on fait des, fait des grands coups de cutter à coups de, de, de pomme K, et ouais. ça devrait nous suffire dans un premier temps. Ok. Ah, non, pas enregistré. Quoi, tu veux pas pomme... enregistrer Ah, j'ai fait, fait, fait Pomme Q et pas Pomme K. Voyais... Ok. Tu peux faire Pomme Q, mais c'est dommage parce qu'on et... était bien lancés. Ouais. Et du coup, alors attends, moi j'ai une question existentielle sur le. Voilà. Pomme K. En fait, là, quand je regarde, moi mon mm -hmm. truc, il a été filmé en 120. Mais ouais. là, quand il arrive dans mon première, il est en. Il est à 30 ou à 60 bah, il se lit en vitesse normale. Comme il a été tourné. Enfin, comme ouais. il a été enregistré pour, pour, ouais. être, pour être conformé là-dessus. Alors, il y a des petites blagues ouais. là-dedans. D'abord, selon le type de caméra que tu vas avoir... Si tu tournes en 120 images par seconde, il va plutôt être tenté de te dire bah oui, là on sait pas forcément le traduire, ça ça part trop vite, il y a trop de, trop d'éléments et peut-être même que le logiciel de ta caméra en, en, enregistre pour lui réellement, il met juste un petit marqueur qui dit non mais c'est du 30. Rassurez-vous, c'est du 30. En vrai, c'est pas ça toi tu le sais. Donc ce que tu peux demander euh, sur, ton, sur ton plan, c'est de savoir à quelle vitesse il a été, ce qu'on appelle conformé. Donc à quelle vitesse il a été rendu pour le, pour le calcul. Mais si tu veux gagner du temps là-dedans, tu peux le faire effectivement sur le premier plan au départ et dire tout a été fait à 120 tu sais que tu vas l'accélérer. Donc tu peux aller faire un clic droit sur ton sur ton plan pour regarder comment il a été euh, comment il a été monté. Alors du coup celui-là ou euh, de l'autre côté euh, de... Carrément, tu peux repartir au C07MP4 à gauche. Celui-là. Ouais. Et là, tu peux faire un clic droit dessus il va te donner des infos. Ah oui, alors. Il ne un... pas faire le clic droit. Il ne veut pas te faire de clic droit, toi. Mais oui euh, il va... <laughs> tu, tu, tu vas faire un truc qui, nous manque, enfin, qui me manque en tout cas sur, le panneau, sur ton panneau projet c'est que tu peux lui demander dans, les... dans le petit menu hamburger du... de projet sans titre, hein, juste après sans titre. Ça non, plus haut. Tout en, en haut, voilà. Ici. Demande-lui de t'afficher la zone de prévisualisation. Euh, alors, en haut, en bas. Zone de prévisualisation. Ok. Voilà. Déjà, rien que là, pour l'instant, c'est facile. T'as qu'un seul plan, il n'y a strictement rien dedans, c'est presque trop euh, trop simple. Mais euh, dès que tu vas avoir 2, 3, 4, 10 plans... Tu vas être trop contente de pouvoir passer sur un plan, poser des éléments dessus, et euh, te dire, bah ben voilà, mais au fait, mon plan, est-ce qu'il était en 1920 Est-ce qu'il était en 4K Comment est-ce que j'ai travaillé dessus Comment j'ai euh, organisé les choses dedans Parce que, en général, on est censé s'en rappeler un petit peu, mais euh, si, as, si as beaucoup de codes, beaucoup, beaucoup de plans différents, c'est vrai que ça peut vite devenir complexe. Ce qui sera intéressant pour nous aussi, c'est que maintenant que tu as demandé dans ton, dans ton panneau de voir la zone de prévisualisation, c'est que tu vas avoir aussi des bouts d'informations sur la durée du plan. Euh, et ça, ah, c'est tout bête, mais euh, oui, ça te permet d'avancer. Ce que tu peux faire dans cette zone-là, d'ailleurs, c'est que tu as une petite, euh, un petit appareil photo qui te permettra de faire le poster de cette image-là. Ça quand sert tu... à quoi eh bien, quand... vas-y, clique sur l'appareil photo, euh, plutôt sur une image qui soit reconnaissable. En fait, euh, ton plan par la suite, quand tu le verras, dans les icônes en bas, tu retrouveras, le... dans les vignettes en bas, tu retrouveras la bonne vignette. Ah, ok Pour te dire, ah, tiens, là, c'était le moment forcément... où il y avait un type tout noir en peinture. Ok. Mmh, mmh, mmh. Ça ne met pas forcément l'image une, quoi. Ouais, voilà, parce que l'image une, en général, quand tu débutes tes plans, elle ressemble un peu à rien. Oui, c'est ça, c'est un truc vide. Ok mmh, mmh. Trop bien. Donc ça, c'est le Alors... premier bout de truc qui nous permet un petit peu de, de, de travailler là-dedans. Mmh. Ce qui sera intéressant aussi pour nous, c'est que euh, sur un plan, je peux regarder les propriétés de la source, je peux regarder... Hop, que je ne me dise pas de bêtises... Voilà, je suis en train de regarder exactement la même chose que toi, mais à distance et sur ma machine. Oui. <laughs> Alors attends, bah, pendant ce temps-là, je vais lire les petits messages. Donc il oui, y a Maxime qui dit non, il se reconnaît plus. Ah oui, on a utilisé de la gouache aussi. La mm. gouache, euh, ouais. c'est mieux que l'acrylique. L'acrylique, quand ça sèche, c'est sèche, c'est plastique, mais c'est pas euh, très très bon pour la peau. Oui, puis surtout, il faut pouvoir l'enlever assez tôt avant qu'il soit acrylisé. <laughs> oui. Pas, si on dit acryliser, je suis pas sûr. Euh, gouaché, gouaché peut-être. Mm. Mm, mm, mm. Ouais. Laurence, qui a remarqué mes dossiers. Euh... Bordel et Bordel 2. Oui, c'est ce que je disais à Franck. Le Bordel 1, il date du dernier live, je pense. Mmh. Je vais mon écran. <laughs> euh, bah, bonjour à Marjo. Bonjour à Fabien de Mr. Cup. Euh, bonjour à Arnaud Huch. De... Ouais. Et j'ai vu passer amis, Cassis voilà. un petit peu de loin. donc euh, Cassis, euh, qui, qui lui fait de la vidéo aussi. Il y a plein de gens qui font de la vidéo. Ah, bah bien, trop bien. Pression, bonjour trop Romain. Cool. <rire> <rire> Et eh bien toi tu leur apprends euh, plein de tips merveilleux, et moi je leur apprends à mettre des gens tout nus et à les recouvrir de substance. La substance <laughs> c'est un sujet dont on parlera plus tard, mais pas aujourd'hui. <laughs> euh, donc du coup tu es sur ton média, moi ce qui va m'intéresser là-dedans en fait c'est qu'on peut lui donner, on peut travailler en fait sur le média directement, et euh, en clic droit sur ce plan-là, sur le MP4, tu peux lui... Ah oui non, tu m'as dit qu'il faisait pas de clic droit dessus je suis super étonné. le clic droit. Attends. Ah, c'est bon, pardon. Ah, il ne oui. le fait pas sur la vignette, pardon. Oui, j'ai tellement okay. pas l'habitude d'avoir les vignettes euh, maintenant. Euh, tu peux lui demander justement de travailler en termes de vitesse. Et donc, tu okay. pourrais euh, gagner du temps en lui disant bah, voilà, mets-moi une vitesse. Et tu sais que tu passes de 120 images par seconde à, euh, à 30. Bah, tu vas faire x4. Donc, vas-y, vitesse, durée. Vitesse, durée. 400. 400 Ouais. Ça, c'est tout bête, mais ça va pouvoir le faire. Attends. Du coup ça dure 7 minutes. Sûr, 7, 4 bah oui, si t'avais si 30 minutes 7 fois 4, 28. 4 fois plus vite. Attends, je te fais Et du coup est-ce que ça met à jour euh, tous les trucs ou pas Je suis pas sûr Ah mais du coup il va super vite maintenant. Alors Donc là lui, il va à la vitesse Super lentement. Je t'ai dit exactement le contraire, c'est 25. Oui, voilà, tu vois, c'est bien ce euh, que Oui, ouais ouais ouais, ça y vient de comprendre ce que tu m'avais demandé et de euh, dire exactement le contraire. Heureusement qu'on est là pour coup... euh... Bah non, mais du coup, c'est pour cool. faire du crash test Alors... sur un trop petit écran. Euh, du voir. coup, il faut le mettre en 20%, 20 25, 25. 25 c'est un quart. OK. Ah Et du coup, on peut le mettre en ce qu'on veut ou est-ce qu'il faut respecter un Non, le ratio, tu vas pouvoir mettre exactement ce que tu veux. Je sais pas pourquoi tu as 20,075. En fait, il veut pas. Je peux pas effacer ça. Parce que je trouve bizarre. Ah, voilà. Bon. Eh je ne sais pas pourquoi. Il me, il refuse. Il me bloque. Attends. 2. Quand j'écris 2, il écrit 2, D'accord. Et si tu montes avec la flèche du haut euh... Écris 3 pour voir. Voilà. C'est pas mal. Effet majuscule, flèche du haut. Tu vas gagner du temps. Majuscule, flèche du haut. Tu connais toutes les feintes, hein toutes. Ça, c'est le genre de truc où tu sais, quand tu es tout seul chez toi, tu restes coincé, mais 4 heures. Mmh, mmh, mmh. <laughs> tu, tu remarqueras d'ailleurs un petit truc important à cet endroit-là c'est qu'il te propose aussi d éventuellement d'inverser la vitesse, donc tu vas pas essayer de lui dire que tu veux moins 25%, ça il va pas y arriver, et il te propose okay. aussi de conserver la hauteur du son. Mais euh, là, par contre, la transposition du son, il faut quand même se méfier parce que c'est pas forcément un truc que tu veux faire euh, par hasard. Et là, tu lui dis ok, on est parti. Et du coup, mon, mon plan il fait bien 2 heures. Voilà. Donc, Donc il fait non, bien non, la durée non, de ton tournage. Okay. Donc là il va un peu se galérer parce qu'il va essayer de remettre tout ça à peu près à plat et de te retrouver en fait les, les images et la manière dont il les a, dont il les a posées. Tu peux retourner sur ton, sur ton premier montage qui s'appelle C007 tout à droite là. Alors attends, j'étais perdu dans mon cerveau, j'étais en train de lire les commentaires. Donc Mais mon non, premier non. montage C007 lui. C'est ça. Ok. Cassis nous dit, mais c'est parce que c'est inversé dans After le pourcentage de vitesse. Mais Pierre n'avait jamais compris pourquoi, donc tant mieux. C'est relou que ce soit pas pareil dans les deux softs. Donc, Cassis, Joël, vous avez tous les deux remarqué une inconsistance, une incohérence. N'hésitez pas à aller poster une feature request sur le User Voice. Vous savez exactement où ça se trouve. C'est exactement le bon moment pour, pour prévoir ça. Euh, parce, que, parce que du coup, oui, ça fait gagner du temps à tout le monde à la fin quand ils arrivent à se mettre d'accord. Si on avait Sébastien Perrier avec nous, je, je lui aurais demandé directement. <laughs> et donc, tu prépares tes découpages, là, tu la bonne vitesse, t'as ce que tu voulais ou pas trop euh, bah, Là, du coup, mon truc, je pense qu'il faut que je le vire. Et que ouais, je alors, vire-le, pose-le, pose l'autre ouais, pose à la place. Et du coup, là, j'attrape mon bout et je mets là. Attrape donc mon bout. Et donc, okay. Q et et là, est W et bon. W pour faire des découpages, du pomme okay. dessus. Ok. Voilà. Un petit truc quand tu es là-dedans. Tu vas vouloir jouer avec la vitesse. Tu, vois, tu remarqueras d'ailleurs que le nom de ton fichier, maintenant, entre crochets, tu vas avoir ton 25% dessus, qui est indiqué ah, ouais. sur chaque plan. ok. Et ça, ça te fait gagner du temps. Tu peux faire un clic droit sur un des plans, n'importe lequel, et là, dans le ça, ouais. clic droit sur le plan. Tu peux lui demander tout en bas. Alors ça c'est trop facile. C'est pas là que je t'en mets. Ça c'est tout... tricher ça, ça C'est <laughs> la même chose pour l'instant. Regarde okay. modification de la vitesse. Vitesse. Et donc tu viens d'afficher. On voit strictement rien. Donc agrandis la taille de ta colonne euh, de ta ligne V1 de ta ligne vidéo V1. Parce que ah tu... je l'avais pas vu. Ouais, Par le haut. Oui. Plus haut plus haut okay. plus haut. Voilà. Et donc là la ligne que tu viens d'afficher sur ce plan, en fait c'est la ligne de la vitesse. Donc, si tu as besoin de ralentir ton plan, tu lui dis qu'il n'est pas à 25%, mais qu'il est à 100%. Si tu as besoin d'accélérer ton plan, tu lui dis qu'il est euh, voilà. okay. dans un sens ou dans l'autre. Okay. Trop bien. Et là, il Je repousse a les éléments bien. dont tu as besoin là-dedans. Fais gaffe, il y a un moment on ne voit plus rien. Ouais, ok. Ce que tu peux faire aussi là-dedans, c'est que c'est ce genre de plan qui te permet de faire des ralentis. Par exemple, quand il est en train de se tourner comme ça avec la boue qui, qui explose, ouais. eh bien tu vas pouvoir faire un commande ou contrôle-clic sur la ligne que tu viens de fabriquer. Que tu cliquer Command -clic. Commande-clic. Et là, okay. tu vas pouvoir tu vas pouvoir lui dire, bah, tiens, au-dessus ça va aller plus vite, en dessous ça va aller moins vite. Et ah, coup, attends. Ah, tu peux faire et tu minute. peux remonter le bout de ligne. Comme tu avais remonté le bout de ligne, mais maintenant que tu as séparé les deux, tu vas avoir deux morceaux de ligne qui sont séparés. Donc attrape la ligne le côté droit de la ligne. Ah. Et, là, et du tu... coup est-ce que c'est comme ça du coup par exemple qu'on fait euh... c'est vachement à la mode là tu sais sur les, les, les youtubeurs qui font oui. des vidéos de voyage il et 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 y a un ralenti et, ça... et ça fait comme ça et puis après, ça réaccélère et ça revient à vitesse normale ah, mais et... trop bien voilà donc là tu viens trop de... cool. tu, tu, tu deviens youtubeuse mais oui bah, est-ce écoute... que est-ce que ça vous parle les gens dans le chat oui n'hésitez pas hein, on essaye des trucs donc, créer des clés pour les slow motion, oui, c'est très, très, euh, très utile. Donc, alors, attends. Donc là, si je veux en refaire une, je commande, et là, ça recoupe un bout, et je peux euh, le descendre. Et ça fait bouge, joue bouge. Exactement. Est-ce qu'on peut le voir euh, à la lecture Je sais Sans pas si j'ai mis au bon On va voir s'il va galérer ou pas. Alors, ouais, après, bon, j'ai mis ça euh, n'importe où, donc on va pas voir, mais... Euh... Oui, il faudra que je le fasse avec. Alors, on aurait pu se dire qu'on pouvait conformer un petit peu plus, qu'on pouvait yeah. prendre le ton justement d'ingérer le, le fichier. Mais toi, comme as le fichier de 20 Go, il devrait travailler dessus. Ça s'appelle du speed ramp, oui. Et Joël appelle ça un varispeed. Ah. Oui. Alors, Joël, Joël, il met ah, des bah mots voilà. français pour que, pour qu'on se sente à l'aise. <laughs> <laughs> ah, mais ton on ton a plein de gens qui sont contents d'apprendre ça. Voilà. Mmh, mmh, mmh. Créer des clés pour les slow-mo c'est trop cool. De Pierre, Delphine qui dit top. Jamila, c'est génial. Delphine, c'est géant. et hey, c'est trop bien. Joël, il appelle ça du vary speed. Romain, je ne connaissais pas du tout cette astuce. Eh hey, mais tu vois non, <laughs> On savait bien qu'il fallait qu'on la fasse euh, cette session. Eh <laughs> bah, trop bien. <laughs> Donc euh, tout parfait. Avez, euh... Tout le monde a les mêmes questions existentielles que moi, en fait. Ouais. Oui, du coup, tout tout donc coup. on mais vient bien, ouais. de rajouter, euh, d'importer dans première notre montage. On a commencé à gérer... Alors tu m'as demandé pour gérer un montage avec des rushs qui ont des, des FPS différents. Donc le premier truc euh... pour moi, c'est ouais. que quand tu as des FPS différents, tu vas effectivement les... idéalement tu vas les conformer au départ. Un truc dont on n'a pas parlé, quand t'es dans ton première à toi, et que tu gères les propriétés du projet. Quand tu crées ton nouveau projet, si tu fais euh, nouveau projet dans ton premier... Fichier, nouveau projet... Voilà, très bien. Eh bien, si tu fais ton nouveau projet, tu remarqueras que tout au bout, tu as les paramètres d'ingestion. Ok. Et ingérer, dit... ça non, veut dire manger, ah. le... manger le clip que tu viens de lui donner. Et tu peux lui demander dans tes paramètres d'ingestion de choisir un mode qui est déjà prédéfini. Par exemple, tu vas juste copier... Le, les éléments, mais tu peux lui demander de transcoder au-dessus, enfin euh, euh, là où il est écrit copier, ingestion, copier. Attends, mon cerveau est commencé. À ingestion, parler. copier. copier. Voilà. Okay. Et là, tu peux pouvoir lui demander deux trucs qui vont être hyper utiles. Copier, c'est quand tu as plein de disques durs, tu veux, tu veux stocker, tu veux récupérer tes cartes mémoire et gagner du temps. Transcoder, c'est quand tu te dis, ben bah ouais, mais là j'ai ma caméra GoPro qui fait ceci, j'ai ma caméra Canon, machin, j'ai ma caméra Nikon, Sony, etc. Et j'ai plein de fichiers différents. Et le truc, c'est que si tu as des fichiers qui sont que des gros fichiers RAW, Premiere va, première va savoir les traiter. Bon, Peut-être pas sur ta vieille version de Premiere. Mais sur les, euh, sur les, les machines euh, récentes, il va beaucoup plus facilement lire des gros fichiers. Les fameux euh, QuickTime ProRes qui sont très très lourds, mais qui du coup vont avoir l'ensemble le, des informations, et il va pas y avoir une compression, donc il va gagner du temps en lecture, et ça va être plus fluide au niveau du, du, de la préparation. Et du coup tu vas pouvoir faire un transcodage. En dessous, t'as la création de doublure. Et alors la création de doublure, c'est un petit euh, c'est un truc plutôt pour les gens qui filment en hein, 4K, 6K, etc. Et ouais. qui savent qu'après ils vont devoir soit zoomer, soit recadrer dans l'image. Okay. Quand, tu filmes, quand tu filmes en plus grand. Donc tu crées une doublure et du coup, première se galère beaucoup moins parce que lui, il affiche qu'une version base def. Donc il arrive à, à mettre ton ah, élément oui. et tu plus qu'à switcher d'un bouton à l'autre à l'intérieur de première, pour passer de la base def à la haute def. Okay. Donc là, là tu es en transcodage et en dessous, tu as les doublures. Vas-y, remonte. Là où tu as mis ingestion transcodage. Parce que en fait, euh, j'ai livré une vidéo le mois dernier mm -hmm. et du coup, j'avais un peu. À quel système J'avais fait ça, euh, j'avais tout filmé en 4K et en fait j'ai tout, j'ai compressé tous mes fichiers, je les ai euh, pas dans première. Mm -hmm. Et après, au moment de l'export, je les ai juste remplacés. Ils avaient le même nom, ils avaient le machin. Euh, du coup, mon montage, hop, c'est bon, ils avaient juste pris euh, la place. Mais j'ai tout monté avec des fichiers qui n'étaient pas lourds. Donc en fait, ça. Euh, ça, c'est exactement mais... ça, mais ça tu l'as fait exactement à la main. Ça. Voilà, je l'ai fait à la mano en me disant, bon, mon Andy va mourir, donc je vais monter avec des trucs base def. Ben C'est exactement le principe des proxys. En fait, trop bien. Qui te permet donc euh, en, en anglais c'est proxy en français c'est doublure et ça fait la même chose. Et après t'as toujours copier et créer des doublures ça fait les deux en même temps et comme ça t'es tranquille. Euh, tu vas stocker sur un disque dur externe, ça va copier ta carte deux fois, ça va te faire la traduction et l'ingestion en arrière-plan. T'as même pas besoin d'y penser pendant que tu discutes et que tu valides avec ton client et que tu fais le début de ton rush. Il y a un moment il va dire ah bah ben, tiens ce projet là ce fichier là on le prend on le transcode et je te le remets avec le proxy. ok voilà, gain de oui. temps. L'idée en fait c'est ça, c'est en prod, gagner du temps. Bah oui, c'est ça. Parce que... Et du coup après tu peux poser tes montages, donc tu as vu que tu pouvais interpréter ton montage dès le début, donc dès le premier sur les, sur les, les informations du lien, que tu pouvais le poser sur ton, sur ton montage à toi, donc un clic droit pour pouvoir. Changer la vitesse. Donc, tu as, ouais. as vu la courbe qui te permettait de faire la vitesse, mais si tu as besoin, tu peux lui demander de gérer la vitesse euh, sur le clip posé dans, le, dans la timeline. Tiens, sors, sors de, du nouveau projet, va sur ton clip, et, et maintenant, tu as le droit de faire un clic droit dessus. Alors, Donc, plutôt pas mmh. ce, celui sur lequel tu as fait des escaliers, parce que ça va être un peu bizarre. Genre, euh, sur lui. Allez, va, va sur celui-là, c'est bien. Non, je la où il est tout rouge. Ah! On est sur un qui rame. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Voilà, clique droit dessus. Ok. Vitesse durée. Et là, tu vas voir que dans vitesse durée, tu as un nouveau truc que tu n'avais pas tout à l'heure. La vitesse durée, tu vas avoir propagation, décalage des éléments de fin. Alors, ça, c'est utile quand tu es en train de raccourcir la vitesse de ton élément et que tu as déjà fait ton montage après. Tu pas envie de te farder à la main, de nettoyer, de couper les trous. Donc ça tu peux le tu peux le cocher si tu le souhaites et en dessous tu as l'interpolation temporelle et l'interpolation temporelle en fait par défaut il échantillonne les images ensuite tu peux lui demander une interpolation et si tu as des grands mouvements tu sais qu'il est en train de balancer de la gouache partout tu utiliseras le flux optique parce que le flux optique c'est d'autres algorithmes qui travaillent là-dessus. OK, alors moi j'avais une question parce que en fait au début j'avais fait avec ça. Mmh. Tu vois, c'était le truc un peu instinctif. Tu vois, fait genre oh, vitesse, machin. Mais par contre, euh, quand j'avais mis mon plan qui était... Donc, pas ce qu'on a fait, là. Mmh. J'avais mis mon, truc de, mon bout de 30 minutes là-dedans et j'avais fait vitesse-durée et je voulais le ralentir. Et en fait, ça m'a pas du tout ralenti mon plan. Ça me l'a juste saccadé. C'est comme s'il était en 20 images et qu'il lisait moins d'images. D'accord. Euh, il était est... pas ralenti, il était juste... Alors, c'est peut-être le moment où il avait besoin d'une meilleure conformation. Attends, je vais okay. faire juste un truc pas propre ici. Je débranche et je rebranche parce que c'est tout crade. C'est tout crade, je sais pas pourquoi. Alors, Romain qui dit le montage en proxy, c'est la vie. Exactement, il a bien raison. Et normalement, <laughs> ça va mieux en termes de son. J'avais un, euh, un vieux buzz qui un consiste crack, crack. à, à, à dé débrancher le micro, rebrancher le micro. Euh, si vous avez des questions existentielles sur première, des trucs qui vous bloquent et tout n'hésitez pas hein, c'est le moment. On est, on est vraiment dedans donc euh, les... tout à fait. Bon, je crois à tout. Hein. Non, pas, pas à tout, mais j'essaye. <laughs> euh, de... Comment on bosse avec un ordi au bord de la mort et des rushs qui pèsent 4 millions de tonnes Ça, c'est une question bah, du de coup, ce que Donc C'est ce ce que... plutôt, c est, c est Donc, plutôt les proxys. Proxy. Voilà. Ouais. Donc, euh, okay. les proxys qui sont la vie. Pierre nous met des pouces bleus, c'est gentil. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, petit message, <laughs> depuis la semaine dernière, vous êtes 70 000 à suivre la chaîne. Et ça fait trop plaisir. Merci. Trop bien. C'est vous. Euh, comment est-ce qu'on exporte pour... Tu m'as mis Fresco pour dessiner oui. des trucs par-dessus, puis comment on remet <laughs> le tout dans le montage d'origine. Toi, tu as Alors, envie de enfin, faire du Raphaël blusé. Voilà, pour ma décharge, c'était un mail de 1h du matin hier. Euh, voilà, par exemple, moi, je me suis dit, ce serait super rigolo, là, sur, euh, sur Maxou, qui est mm -hmm. recouvert de trucs. Bah, pourquoi pas d'exporter des petits bouts et euh, de lui peindre des trucs dessus, euh, dans Fresco Enfin, voilà, de toute façon, c'est. Euh... Une ouais. pure expérimentation, quoi. Tout à fait. Donc Alors comment on que... fait pour voilà ce que est tu quoi vas quoi pouvoir faire euh, Là où tu viens de mettre ta souris, tu fais i. Tu écris i. i OK. Voilà. Euh, t'es dans la bonne fenêtre. Euh... Non, t'es pas dans la bonne ah, fenêtre. T'es pas, pas dans pas la bonne la fenêtre. fenêtre. T es, t es dans la... voilà. Celle-là Ouais, tu fais i, c'est le, le début. Tu te déplaces de euh, 10 images, pas plus, parce que sinon on va attendre que ton ordi il encode et ça va être trop long. Alors attends, comment on se déplace que de 10 images Tu lis, fais espace, lis un petit peu, mmh. lis un petit peu. Quand en as marre de l'attente, tu fais, tu refais espace. Très bien, hop, c'est bien ça. Et là, tu fais okay. O comme out. out. Et ça, okay. c'est le plan qui va servir pour ton contenu. Donc okay. maintenant, tu vas lui demander dans ton dans ton projet, par exemple, tu vas exporter ce contenu là. Tu vas exporter te, de ton in à ton out. Et tu vas lui demander, d'exporter de euh, la séquence. Donc pour exporter la séquence, ça se passe dans le menu séquence, si je ne dis pas de bêtises. Et tu vas pouvoir lui demander de tout tout. tout non pas d'extraire, c'est pas ce que je veux faire. Euh, où est-ce que je le trouve Parce que moi je suis tout le temps en train de chercher en parallèle de toi. Hein. Sinon c'est pas drôle. Et comme je ne le fais pas tous les jours... Comme je le fais pas tous les jours, eh bien, il y a un raccourci que j'ai plus en tête. Ah, on a plein d'amour euh, sur les il... 70 000. Bah, C'est surtout toi, oh, Ça fait tellement longtemps. Euh, ça Franck, fait pas si longtemps là, depuis cas, je suis le encore début. Jeune. Bah oui, mais depuis le début, depuis le 0 jusqu'au 70 000. On peut faire le rendu de la sélection, séquence rendu de la sélection. Euh, de la sélection qu'on vient d'avoir c'est pas ça que je veux ah, donc, je on va partir directement dire. dans le panneau projet clic droit on sera moins chier, on s'embêtera beaucoup moins je dis beaucoup de gros mots aujourd'hui t'as vu alors attends je sais pas ce que je viens de faire donc et va dans ton panneau tout. projet j'ai plus euh, mon bout là je crois t'as plus ton bout oui alors tu m'as dit que c'était i et o alors tu, ouais, tu peux tu peux dézoomer sinon si tu, mmh. avec oh. le l'apostrophe à côté de ton KLMU et comme oui. ça, tu vois tout ton plan. Ah Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas. <rire> <rire> ok Ah, trop bien Voilà. Ouh Donc, ça, c'est le U. Et si tu fais apostrophe, la touche juste à côté. Apostrophe Voilà, tu vois tout ton, tout ton film, tout ton plan. Et apostrophe, tu reviens à ta valeur de zoom. Donc, si tu fais égal, 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 pour zoomer, genre, hyper fort. Voilà. D'accord tu fais apostrophe. Quand même pas mal de connaître les raccourcis. Et là, tu vois tout ton plan. Donc, tu peux aller refaire des bêtises plus loin. Et tu refais apostrophe et tu es à la bonne valeur de zoom. Hmm. Ok Ah ouais Alors okay. là, tu refais ton U pour pouvoir, être, pour pouvoir voir ton interface de première en entier. Oui. Tu okay. vas aller dans ton panneau de projet, que tu aimes bien le panneau de projet. Tu vas aller attraper ta petite séquence. Euh... Donc, ta séquence, c'est celle de droite. Mais celle-là Qui s'appelle C0007 comme toutes les autres. Attends, elle s'appelle C0007. Bah oui, c'est normal. Voilà. Et celle-ci, tu vas lui faire un clic droit dessus. C'est quoi lui... la différence entre toutes les séquences là ah Bah regarde les petites icônes et tu vas me dire si tu devines. Alors, il y a des bidules. Ouais. C'est quoi le Bidéo premier bidule Utiliser quatre fois. Ouais. Contient des données audio. Contient des données audio, c'est surtout ça l'important. Okay. Et l'autre ah. c'est un montage. Et donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est le montage. C'est ça que tu viens de, de fabriquer. Et donc, okay. tu, vas, tu vas sur celui qui a le montage et tu lui fais un clic droit dessus et tu vas lui demander d'exporter de, le média. Tout en bas. Tout en Exactement bas. Enfin, vrai. presque en bas. Et quand tu exportes le média, en fait, il te laisse le choix. Il te laisse le choix de l'emplacement où tu vas l'exporter. Tu vas avoir une petite fenêtre de sortie. Déjà, c'est une prévisualisation. Une c'est impossible à dire. Visualisation, oui. C'est dur, hein. C'est okay. euh, pas que moi. Donc, On a bien choisi nos mot en plus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, ça aurait pu être pire, un mot beaucoup plus simple. Et euh, sur le côté, tu vas avoir format. Sur le côté droit, tu vas avoir format et tu peux choisir. Là, on fait habituellement, on t'exporte de la vidéo, donc tu fais du H264, mais en réalité, ce dont tu as besoin à maintenant, c'est de pouvoir travailler. Et tu peux faire une séquence d'images, soit du TIFF, soit du Targa, soit du QuickTime, euh, pardon, soit du PNG, pardon, soit du JPEG. Ok. Comme tu sais que tu veux redessiner dessus et retravailler, à toi de choisir si tu vas dessiner en transparence dessus, et donc, tu mettrais du JPEG, ce serait très bien, ce serait moins lourd pour ton, pour ton contenu. Soit tu te dis, bah tiens, peut-être que je veux retravailler, mais je veux garder les pixels pour de vrai. Et après, on intégrera cet élément-là dans le, dans le montage. Et là, tu lui sors carrément du PNG ou du, du TIFF. Et tu auras okay. les, des fichiers très lourds. D'accord. Alors attends, ce que tu es en train de me dire, c'est si je prends le JPEG, là, je pars plutôt du principe de ce que fait Raphaël Buzet euh, de... Euh... Tu te sers et tu fais de la rotoscopie et après le fichier, il... le, tu t'en sers pas. Le, le JPEG de fond disparaît, tu tiens. intéresses voilà, pas et ça. tu garderas ta vidéo. Ok, Par alors contre, que sur du TIFF, du TIFF voilà, tu, tu vas avoir ton format de qualité max sur ton image et tu vas pouvoir tu vas pouvoir gérer ça. Le Photoshopé, Voilà, effets. photoshopper complètement, ouais. faire tous les effets que tu veux et surtout te dire que les pixels que tu vas réimporter, ce sera les bons pixels, les pixels de, de, de finalisation de ton projet. Ok, trop bien. Donc là, tu préfères quoi Tu as, as, as une préférence entre les deux euh, bah, Je me dis que le JPEG, ça va être moins long. <laughs> je suis pas sûr. Tu veux C'est vrai Ouais, on va voir. Ah, bah, le TIFF, c'est plus joli. <laughs> euh, et du coup, il faut que j'aille le ranger dans un endroit pour pas qu'il se mette n'importe où. Alors, tu, et tu vas faire mieux que ça après. Alors là, tu, effectivement, quand tu cliques sur le nom de la sortie, il te laisse le choix du dossier. Ça, ouais. ça peut être assez utile. Et euh, ce qui va se passer aussi. Alors, vas-y, clique dessus ça fera pas de mal. Hop. Je pense que je l'ai mis n'importe où là. Tu le mets au, tu le mets dans le bureau sur le bureau pardon et euh, contrôle D, pomme D et tu vas lui dire sur le bureau que tu aimerais bien en fait créer un nouveau dossier en bas à gauche voilà nouveau dossier parce que comme c'est une séquence d'images c'est pas un seul fichier et là tu sais c'est le truc classique oui, sinon où on exportes bureau bureau et tu retournes sur ton écran de, ah, oui. de fichiers et... bazar et après tu as un truc qui s'appelle bordel 3. donc celui-là tu peux l'appeler séquence <laughs> Euh, Joël nous dit pour se faire pardonner, tu vas utiliser Anime Dessin. Alors, non seulement elle pourrait utiliser Anime Dessin, mais elle pourrait utiliser le tout nouveau jouet par les créateurs d'Overlord euh, qui fait des trucs tellement rigolos en échange entre Animate, Photoshop et After Effects. Oui, c'est vrai, on peut faire plein de trucs. Hein. Ouais, 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 ouais. Et euh, j'ai plus son nom, c'est Battle qui fait ça, mais si je tape Battle, il va me dire c'est Time Lord. Time Lord qui est le ouais. nouveau jouet magique. De Dont vous aviez parlé il n'y a pas longtemps, je crois. Aussi. Oui, on en a parlé avec Nicolas Gr Grandry il y, a, il y a deux semaines. Exactement. Ouais. Juste euh, quand c'est sorti. Eh bien, tu cool. vois, c'était parfait. Donc, euh, pouvoir récupérer du Photoshop, pouvoir récupérer du Animate et, et, et renvoyer ça directement dans, euh, dans After. Donc, ouais. ça, par exemple, ça pourrait être un, un bon outil. Euh, ouais, de toi, tu as, as, as créé ta séquence Max, voilà, créé, oui. enregistré. Et alors là, tu vas faire un truc qui va être très malin. Tu ne vas pas cliquer sur exporter, même si c'est très tentant, tu vas cliquer ah, bien ouais. sur fil d'attente. Parce que okay. exporter, il aurait pris ton première et il aurait dit Bon, bah, maintenant première, tu t'assois. Et puis tu vas regarder tes frames s'exporter. Mais là, oui, tu vas lancer là, Media Encoder il va travailler cool. en arrière-plan. Ok. Voilà. Oui, oui. Ok. Donc, ça, c'est basique. Tu, une fois que Media Encoder aura fini de se lancer, de s'afficher, etc. Tu, joueras, tu cliqueras sur play et puis tu regarderas ta séquence se monter. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça, c'est bien, ça, on peut les faire. Euh... Par exemple, moi, je lance mes trucs euh, la nuit, quoi. Mmh, les mmh. exports euh, de vidéos, les ouais, trucs. Alors les là, 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 pour, pour le long. coup. Pour... Là, ça va aller vite, mais. Euh... C'est ça. Là, pour le coup, on a... je t'ai volontairement demandé de recadrer parce que si tu exportais deux heures de film, image par image, oui, ça aurait été hyper long et on avait absolument aucune envie de regarder ça en entier. Et personne. Euh... Alors, j'ai vu une petite question passer de. Euh... J'ai vu une petite question passer de Romain. Franck, est-il possible d'automatiser certaines choses sur Première via XML Récupérer des images, textes, liens et le mettre dans un template ensuite. Alors, il y a mieux que ça. Il mieux que ça. Et là, du coup, je vais. Euh... Est-ce que j'ai le droit de te voler la, la place Ah, mais carrément, regarde là, mon train de Il y a mieux que ça euh, spécialement pour Romain. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop, on est où On est là. Donc là, on n'est plus chez Pauline, on est chez moi. Euh, <laughs> comment on voit qu'on n'est qu plus chez Pauline et chez moi Alors que. Le... C'est mieux rangé Pff, Non. Non, regardez <laughs> sur le côté. Ah, si. Il n'y a que des C007 qu'on n'arrive pas à distinguer les uns les autres. Euh, si jamais on veut automatiser des choses à l'intérieur de Première, il euh, y a moyen de faire des trucs un petit peu en plus. Euh, si je vais dans le menu Aide, justement, je pourrais chercher Automatisation. Hop Sauf que si je cherche automatisation dans Première, il va me renvoyer directement sur les, sur les menus de base. Ça m'intéresse pas trop. Euh, par rapport à du texte, par exemple, par rapport à des images, on en a déjà parlé plein de fois, je crois. Sur Première, je vous ai parlé des objets graphiques essentiels. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans le chat, les objets graphiques essentiels Un petit oui, un petit non, comme ça euh, je, suis, euh, je suis rassuré sur ma capacité à vous transmettre des trucs d'habitude. Ouais, 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 non mais ça a l'air de rien, mais... Euh... On se Et donne du les contenu. Les objets graphiques essentiels. J'ai l'impression d'avoir entendu ça un paquet de fois ici. Juste un paquet, mais est-ce que tu as cliqué <laughs> pour voir ce qu'il y avait dedans Les objets <laughs> graphiques essentiels, en fait, on va pouvoir les trouver soit dans mes propres modèles, soit dans des modèles Adobe Stock. Et euh, ce truc-là, c'est assez fou, parce que en fait, tu vas avoir des compositions. Alors, je vais faire le fameux U. Pour voir tout le panneau des objets graphiques essentiels. Comme il est très large, il m'en a affiché plein et puis on peut en voir plein là, il me fait plus que je les ai tous sur deux trois pages et quand j'aime bien un contenu, par exemple ici, j'aime bien le bold text glitch, il me plaît. Je vais cliquer dessus pour le télécharger. Je le télécharge et je l'importe dans mon dans mon projet. Hop. Est-ce que j'ai bon Est-ce qu'il me l'a bien pris Ouais, là, il m'a mis une petite coche pour me dire, effectivement, ça a été récupéré. J'enlève euh, le petit U. Alors, on a plein de réponses. Hein. Nino, Hugues et Home Connect qui disent oui, ils ont entendu ça. Est-ce que, est que, est que ça vous a saoulé d'en entendre parler un peu ou... Alors, il y en a qui n'ont pas entendu encore. J'ai mis là, non. Pierre, non. Euh, et, et Joël dit me dit les, les yogurts ont... et pas les mogurts. Mmh. Complètement, les yogurts. Euh, mais on n'a pas le droit de le dire. <laughs> Hop, ça, ça a vexé <laughs> des gens que ça, ça s'appelle euh, un truc qui ressemble à Mogurt. À Yogurt. Donc je peux me balader dedans, je peux retrouver les titres, je peux retrouver les éléments, etc. Et les éléments que je vais importer et qui me plaisent là-dedans, donc vous avez vu, il y a un petit dollar dessus, ça veut dire qu'il coûte des sous. Je vais prendre les disponibles, et je vais prendre des qui coûtent pas très cher. Je vais prendre des pas très compliqués, tiens, pour aujourd'hui et pour pas me galérer, c'est juste pour, pour gagner du temps. Je vais tout simplement le prendre et le glisser sur ma timeline. Euh, je le prends, je le glisse sur ma timeline et j'intègre le contenu very short title, très bien et ce very short title en fait le gros avantage c'est que je vais pouvoir poser, je vais pouvoir redimensionner parce que peut-être que j'ai effectivement un titre très court et je vais utiliser mon outil texte dans première, c'est tout bête hein, euh, prenez votre outil texte hop, petit titre si court et quand je vais avoir mon petit titre si court qui est posé, le truc c'est que si jamais je me rends compte que j'ai un deuxième titre, hop, donc on va mettre par exemple, gros, gros, introduction, trop long, et bien celui-là, il a besoin de plus de temps pour être lu. Et du coup, je peux lui demander de le remettre en place. Et de le mettre beaucoup plus long, c'est-à-dire que l'introduction, elle dure la même durée, donc on a bien le gros gros qui passe en premier, introduction, etc. Ça bouge plus, et la fin, la disparition, elle reprend la même vitesse qu'au départ. Donc là je l'ai en petit, parce que ça se lit vite, petit titre court, et là je l'ai en très long. ok Donc ce truc-là, les gens qui fabriquent des muggerts, euh, Joël, c'est la laitière ou c'est Maminova, ils fabriquent des muggerts tous Ouf. les jours. Et eh bien euh, ce truc là en fait ça vous permet de gagner vachement de temps sur la préparation des contenus. Et il y a une petite nouveauté qui était pas là il y a seulement quelques semaines, c'est qu'on va pouvoir justement maintenant dans les Mogurt rajouter des images. Et ça c'est tout neuf, ça va se fabriquer à l'intérieur d'After Effects. Euh, vous, là où on pouvait dire bah tiens il y aura un élément de texte, il y aura un bloc, etc. Il y aura des couleurs qu'on va utiliser, on pourra rajouter maintenant des éléments images en plus, et du coup ça va Va vous faire gagner encore du temps sur la sur la conception pour tous les gens qui utilisent des titrages pour tous les gens qui utilisent des, des inters, des cartons dont ils ont besoin des synthés entre deux plans vous allez pouvoir récupérer ça ok maintenant de là à l'automatiser en xml euh, c'est une super bonne question et comme toutes les questions à la volée je vais faire comme ça hop nouvelle page Automate, première pro, XML, et je crois que ça existe. Mais, voilà. Euh, ta -ta XML ou CSV, etc. Automate Production Task, il doit y, a, y, a, y a avoir moyen de le faire. Je ne l'ai pas en tête. Si jamais je vous le trouve, promis, je vous en reparle, et je vous en parlerai sur Instagram, sur Twitter ou autre. Euh, en général, quand je cherche des plans de folie à l'intérieur de Premiere Pro, je vais chercher chez Colin Smith, euh, chez Video Revealed, voilà, qui, qui est une excellente chaîne, euh, c'est tout en anglais, mais qui va vous donner tous les trucs et astuces de Première en anglais. Donc quand vous voyez un nouveau truc arriver sur la chaîne, euh, c'est que je me suis galéré sur un sujet et je suis allé chercher justement comment on pouvait faire ceci ou cela. Donc vous aurez moyen de gérer ça depuis Première et vous aurez moyen aussi de gérer depuis After Effects, par exemple l'import d'un CSV. Euh, Joël nous dit c'est en prod les images, je croyais que c'était toujours en bêta public. C'est en bêta public pour les images. Et on en reparlera tout à fait, Romain. Donc oui, passez sur Creative Cloud, passez sur vos applications, regardez les mises à jour. Si vous êtes comme moi et que vous êtes très sage, vous verrez que vous avez des mises à jour en attente et vous verrez que dans les applications vous avez les applications bêta et les applications bêta, n'importe quel abonné du Creative Cloud va avoir accès à un premier pro tout neuf, euh, et carrément en mode en mode brouillon, avec euh, des nouvelles fonctions, et dans les nouvelles fonctions, ouais, vous allez retrouver ces petits contenus-là. Ok euh, Je vérifie s'il n'y a pas de truc. Ce qui est terrible, c'est de les créer soi-même, nous dit Nino. Oui, par contre, il faut se lancer un petit peu. Home Connect nous dit, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir la suite Adobe moins chère Alors... Vous savez qu'on est le lundi, euh, le Cyber Monday, euh, que c'est le lundi juste après le Black Friday. Euh, si, et effectivement, Delphine remarque, si jamais vous êtes plus jeune et étudiant, il y a peut-être moyen euh, euh, de, de prendre les versions étudiantes sur les applis. Mais en ce moment, ouais, il y a des promos, il faut, faut aller chercher. Oui, de temps en temps, il y a des, y a des promos, c'est toujours cool. Voilà. Et donc, ben pour les pour les nouveautés, vous irez cliquer sur première bêta, vous irez regarder. Et euh, pour répondre à la petite question de Romain, si ton envie, c'est une envie par exemple autour du sous-titrage, dans ce cas-là, je te convie à aller voir la session que j'ai donnée il y a deux semaines sur. YouTube et sur Beyond. Donc je vais vous emmener donc là sur la nouvelle version de, de Premiere Pro. Et euh, dans cette session d'il y a deux semaines sur Beyond.live.fr, si vous regardez un petit peu plus bas, en descendant là, on a fait sur la partie motion et vidéo, on a parlé des nouveautés autour des, du motion à l'intérieur du Creative Cloud. On en a parlé ici, on a parlé beaucoup d'After Effects, et là on a parlé beaucoup de Première. Et dans la partie sur Première, donc c'est un peu Inception, où vous êtes en train de regarder Beyoncé <laughs> dans Beyonce. Et dans la partie sur Première, euh, à partir d'une dizaine de minutes, je crois, et je ne vais pas le refaire en direct, je ne fais pas mes cascades deux fois, euh, c'est trop dangereux, j'ai importé un fichier de Zimra qui était venu avec nous, qui nous disait une petite phrase et on avait tout un flux dans les nouveautés qui consiste à rajouter les légendes, les captions. Et donc on a un panneau légende qui permet de rajouter des légendes, des textes, d'automatiser tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une vraie légende de votre texte. Si jamais c'est pour faire de la vidéo-démo, vidéo-produit, etc., vous pouvez taper tout ce que vous voulez. Donc ça, ça peut être un truc vraiment, vraiment cool. Ouais, D'ailleurs, euh, je vous conseille vraiment toutes les sessions de la semaine de Max, c'était toutes euh, super cool. Et... Mmh. Je suis d'accord. Un projet qui est déjà monté à Agadir au Maroc, je veux l'ouvrir, le corriger. Comment faire pour appeler le projet en entier au lieu de faire lier le média bah, Vous laissez les projets tout offline, Jamila, ça devrait suffire. Euh, sur AEScript, il y a aussi quelques extensions sur Première, et Laurence nous dit, pour les indépendants qui ont un peu galéré cette année, appelez le service d'Adobe. Faites comme vous dit Laurence. Hop Je vois que tout le monde se dit les mêmes choses et tout le monde se partage les trucs et astuces. Donc voilà, quand vous serez là-dedans, vous pourrez regarder votre contenu, vous pourrez exporter hyper facilement vos... les fichiers SRT, vous pouvez importer des fichiers SRT si vous avez laissé YouTube faire le, tra... le... le travail de la, de la synchronisation de vos... de vos textes, et vous pourrez récupérer tout ça. Donc ça c'est dans les grosses nouveautés. Voilà. Oui. Euh... Pauline, du coup, toi, t'as récupéré tes fichiers TIFF Est-ce que je repasse oui. chez toi quelques secondes euh, Écoute, j'ai essayé d'ouvrir euh, Photoshop pour aller les bidouiller et il m'a dit euh, les disques sont pleins. Donc je pense que. Tu penses qu'on a rempli speed. ton ordinateur Je pense qu'on a rempli mon ordinateur. Attends, on va regarder <laughs> ça. Oh là là, mais il y a combien de fichiers dans cette séquence <laughs> Oui, oui. Euh, non, mais en fait, il faut que je les copie dans. Sur ton faut disque juste... dur de. Il ouais, faut que je les copie poney. dans mon disque dur externe et, euh ce sera l'occasion de refaire un autre live. Ça, ça, ça tombe bien, parce qu'il qu est déjà 59. Qu'est-ce qui nous restait euh... comme question dans tes questions existentielles tu voulais Et qu ben Moi, j'avais une question. En fait, j'avais une question pour les gens qui nous regardent. Euh, Dis-moi ce que tu en penses. Je me... Comme tu sais, on est en train de préparer un peu l'année prochaine. Ça ouais. va un petit peu changer de format. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous avez envie de voir Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Qu'est-ce qu'on euh... qu qu peut développer plus euh, moi je trouve ça marrant ces sessions euh, un peu bidouillées et toi tu as les réponses à tout, euh, je trouve ça hyper cool, euh, donc n'hésitez pas à nous dire euh, bah, les sessions que vous avez préférées cette année, voilà, donc, on est en train de compoter ça, je pense que c'est le bon moment de, de faire part de vos, euh, bah, de vos avis et de, de ce que vous avez envie de voir. Carrément, carrément. Euh, je me demande si je ne vais pas prendre deux secondes aussi malgré tout, euh, pour vous montrer le petit truc, la, la dernière question piège que tu avais à me poser, qui ouais. était une question plutôt... Euh, tu, je, je crois que toi, tu l'envisageais dans, dans After Effects, et moi, je ne savais pas trop si j'allais le faire dans Premiere ou After, parce qu'on peut faire les deux pour ça, qui était la question du tracking de ses yeux euh, pour le remplacer par du dessin. Donc, soit on le fait ouais. comme on l'a fait là, en image par image. Alors, moi, je t'ai donné comme référence le clip de Go with the Flow de... des Queen of Stone Age, parce que pour oui. moi, c'était celui où on avait un, une bonne rotoscopie et ça marchait, euh, ça marchait plutôt pas mal. Soit, et allez, je vous le partage, parce que c'est chez moi, soit on peut aussi attraper, mais ça va demander à anticiper un tout petit peu le, un tout petit peu le tournage. Attraper à un moment où on voit vraiment bien ses yeux, où on voit vraiment bien les éléments qu'on veut, euh, qu veut modifier, pardon. Et on peut lui demander à l'intérieur de première eh d'utiliser par exemple la plume, de okay. faire un masque, et de lui demander de traquer ce masque pour pouvoir poser des choses dessus. Donc par exemple, je prends cet élément qui est ici, et cet élément qui est ici, je peux passer dans le menu fenêtre, et je peux chercher, donc traquer en français, tracking, euh, suivi, suivi, suivi. Suivi de masque, tu peux le trouver, Franck. Ah, Joël dit il y a le Face Tracker dans After Effects où on peut récupérer les yeux. Eh ben, on va faire comme Joël dit il a entièrement raison. Ça m'évitera de me galérer à essayer de retrouver le tracking de masque à l'intérieur de Première, qui doit être dans les effets qui doit être ici. Euh, suivi, suivi, suivi. Effet. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de trucs. Ça m'arrive une fois sur deux de oui. me dire, mais ce truc là il devrait tellement être dans première et en fait il est dans after. Ok, voilà. tu vois, moi instinctivement je serais allé dans after pour faire ouais, ça, ouais, 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 mais je me ouais. dis qu'il y a tellement de trucs rigolos qui sont en train de se passer entre les deux. Je me dis, il faudrait que j'arrive à choper Atom pour faire une session avec mes questions existentielles. C'est pas, pas. pas bête, parce que lui, <laughs> pour le coup, effectivement, c'est le tracking d'After qui m'intéressait là-dedans. Atom, pour le coup, il, va, il le fait régulièrement, du tracking. Il en a fait encore régul... cette semaine sur son... sur son Insta, en mode prise de vue qui bougeait dans tous les sens et tout. Voilà. Euh, Delphine nous dit que le truc qui lui plairait le plus, c'est de retrouver Stéphane Baril. Je vais te donner son numéro de téléphone, oui Delphine. On va faire ah ça. Ah oui, mais je suis d'accord. Ça va être plus efficace. Il est trop fort, Stéphane. Euh, plus de. Euh, Romain nous demande plus de user interface. Oui, plus de XD peut-être. On essaiera de voir comment on peut mettre ça en place. Euh... Home Connect a trouvé la formule de ses rêves dans le Creative Cloud. Ce serait intéressant de ramener plusieurs personnes et de voir ce qu'ils font chacun dans leur domaine du graphisme. Alors Home Connect, ça veut dire partager plein de caméras. Plein d'écrans, on va tous exploser en vol, on va jamais réussir à se parler correctement, ou alors il y en aura deux ou trois sur les dix qui s'ennuient. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Euh, ceci dit, si ce qui vous intéresse, euh, c'est de trouver des groupes de discussion. On a pas mal de travaux avec la communauté. Je pense euh, communauté euh, Motion Café, la communauté Yamag, etc., où on a ce genre de... Enfin, euh, non pas on a, mais ils proposent déjà ce genre de format, ce genre de panel où on peut euh, entendre plusieurs, euh, plusieurs utilisateurs travailler et échanger sur leur sujet. Donc euh, n'hésitez pas, ouais, faut, faut regarder plutôt du côté des communautés. La découpe automatisée de démontage, vivement que ça arrive dans After. Bah, fais la découpe dans première et renvoie dans After. Oui, c'est vrai, ça c'était cool comme nouveauté. Mmh, mmh. Ouais, pas chacun mmh. son tour, nous dit Home Connect. Ouais, je suis d'accord, ce serait tentant. Mais en termes techniques et en termes de fluidité du contenu, je vous promets rien. Je pense que c'est plus complexe, mais c'est gentil de proposer. Voilà, des sessions avec des niveaux pour les débutants, avancés plein, plein de choses ouais, bah de, de toute façon n'hésitez euh, pas à nous rejoindre sur euh, le discord pour nous partager ça carrément je vais vous mettre euh, le vous lien du le discord lien. en français parce que ça je sais que vous aimez bien ou je sais aussi que on le retrouve jamais il y a toujours ce moment où on est en train de le chercher ou moi je suis en train de le chercher parce qu'il faudrait que je me mette un grand lien genre le discord en français et, euh, et de vous on le, le donner dans que... le clavier ouais, ouais oui oui peut-être peut-être que je peux faire ça. Euh, comme ça bah, vous nous suivez sur le Discord vous revenez poser vos questions à Pauline euh, à Tom, à moi à tous les gens qui passent avec nous sur le Discord check, voilà je vous ai mis le lien comme ça vous êtes avec moi ce serait bien aussi d'offrir des abonnements home est en train de dire je veux rien dire mais je crois que peut-être euh, ça va arriver l'année prochaine d'offrir de ouais, des abonnements ça, euh... non, mais ouais, tu dis ça, ça parce qu'on est fait. juste avant Noël mais j'y crois pas trop hein. ouais, il y aura des petits concours et tout, c'est dans, le... dans les projets Ok, et du coup, Laurence nous demande une session Dreamweaver, ça va être très compliqué. Parce ça que existe encore, Dreamweaver Oui, bien sûr, évidemment. Et Romain découvre qu'il y a un Discord, oui, c'est deux liens au-dessus, Romain. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Et euh, puis du coup, on se retrouve, nous, demain matin à 10h, pour une session Creative Cloud, comme d'habitude. La semaine dernière, c'était photo. demain, on va tourner du côté graphisme, si ça vous va. Euh, un, une info importante pour les gens qui sont venus nous voir sur la vidéo. Si vous avez envie de gagner du temps sur l'histoire des légendes à l'intérieur de première, n'hésitez pas à regarder la bêta. Et dans les pages de la bêta vous allez découvrir qu'il euh, ils sont en train de travailler sur une intelligence artificielle pour générer les légendes. Et si vous générez les légendes, vous allez pouvoir les. Euh, vous pourrez les réintégrer et refaire le petit bout de montage euh, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une bêta qui n'est pas, pas publique, qui n'est pas encore arrivée, mais par contre il y a une page pour s'y inscrire, et donc euh, ça s'appelle le speech to text dans première. Et du coup, ben, vous pourrez peut-être tester ce truc là. Je vous mets le lien du speech to text. Comme ça, vous l'aurez. Et puis moi, ça me ferait trop plaisir d'avoir des Français qui participent à ça, parce que je suppose que comme toutes ces technologies merveilleuses, elles sont ah, d'abord en anglais. Oui, D'accord, ok. Voilà, donc vous avez le lien du Speech to Text. Ouais. Et on se retrouve demain matin à 10h, euh, et l'après-midi, vous aurez Laura et Aurore qui vont dessiner sur Fresco. Euh, et mercredi, on enchaînera avec Jérémy Claes. Voilà, à très bientôt. Merci. Merci Pauline. tout le monde. Bye Merci. Bye. Des bisous à tout le monde. Plein de bisous.